Just wonderful. Lose yourself, go right into you now. Yeah, keep riding till you come. Yeah, all I'm talking is you down, cause all I want is you to right now. Salut mon gros, bienvenue sur ta séance d'entraînement du mardi. Niveau débutant, on va démarrer sur cette vidéo. Pour ceux qui ont déjà vu l'introduction, utilisez le timecode en dessous pour vous avancer au début de la séance directement. Sache que si tu es débutant et que tu as progressé, tu peux te référer aux vidéos intermédiaires. Ça reprend le même schéma avec lundi travail du haut du corps, mardi jambes, mercredi haut du corps, jeudi jambes, vendredi haut du corps et samedi abdos. Donc tu peux interchanger les jours comme tu le veux en fonction de ton niveau et de ta progression. Ces vidéos-là sont destinées aux gens qui ont peu ou pas de matériel. Vous pouvez faire d'autres variantes si vous avez plus de matériel. C'est juste une base que je vous donne et par-dessus, vous pouvez créer ce que vous voulez. Je vais vous expliquer donc dans un premier temps les exercices avant d'attaquer la séance. Enfin, sache qu'un bon entraînement couplé à une bonne diète te permettront de progresser. Un bon entraînement seul sans une bonne diète te ralentira dans ta progression. Donc n'hésite pas à te référer au programme alimentaire que tu peux retrouver sur mon site ainsi qu'aux entraînements en salle de sport une fois que tu pourras de nouveau t'y rendre. Enfin, on a tourné tous ces entraînements sans musique pour que tu puisses mettre ta propre musique et t'amuser au maximum sans avoir tous les jours les mêmes musiques sans copyright qui, il faut l'avouer, sont un petit peu lassantes. Voilà, on attaque sur les explications. Bon courage pour cette séance. Dans le premier circuit de cette vidéo, vous allez avoir des pike push-up, donc on va se mettre sur les genoux. Les mains un peu en avant et on va venir faire du rase-moquette comme dit Julie, où on vient vers l'avant et on repousse. Deuxième exercice, on aura des back squeeze ou le planter de coude. Donc c'est assez simple, on se met sur le dos et on vient planter les coudes pour relever les pectoraux. Là, on essaie de décoller les omoplates derrière du sol. On plante les coudes et on se relève à la force du dos. Troisième exercice sur le premier circuit, ça sera des pompes larges. On se met sur les genoux, un écartement bien plus large que celui des épaules, une main de plus en général, et on vient faire des pompes. Pour les pompes, je vous conseille d'avoir un angle entre le coude et le buste d'environ 45 degrés. Ne relevez pas les coudes tout en haut. On garde ici quand on fait les pompes. Même quand on est large, on garde cet angle d'environ 45 degrés. Le deuxième circuit, ça sera des pompes enchaînées par des front raises. On se met sur les genoux et on va faire des pompes avec une largeur d'épaule. Toute simple, et quand on se relève, on vient faire une montée des bras au-dessus de la tête. Troisième circuit, on aura de la planche enchaînée avec du Superman. Donc de la planche sur les avant-bras, vous connaissez. Le Superman, on va le faire en alterné. Donc on pose la main d'un côté et le pied de l'autre et on va soulever la main droite et le pied gauche. On inverse. Voilà. Ok les gars, on attaque sur ce circuit. Trois exercices. Premier exercice, pike push-up. Deuxième exercice, back squeeze. Troisième exercice, push-up. En position, on se fout sur les genoux et on attaque les pike. 3, 2, 1. 1, 2.
14, j'avais oublié, on allait jusqu'à 12. Ouais, mais 15 c'est bien. 15 c'est bien, alors 15. Parfait. On enchaîne sur des push-up. Large. Avec une wide stance. Donc un écartement de main assez grand. Et on va faire 10 répétitions. 3, 2, 1 et go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vingt secondes de repos et on reprendra sur les pike push-up. Allez, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Back squeeze, on se met sur le dos. 3, 2, 1, let's go, 1. 2, 3, 4, 10, 14 et 15. On repart sur les pompes écartées. Allez, on se met en place. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Superbe. Plus qu'une fois et on aura fini le premier circuit.
Allez, en place. Dernière série, 10 pike push-up, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, superbe, on se met sur le dos. On enchaîne sur le deuxième circuit dans une petite minute. Ok, donc on attaque le deuxième circuit avec une pompe, un levé de bras, deux pompes, deux levées de bras, etc. jusqu'à 8. Allez, on est parti. 3, 2, 1. Une pompe. On relève. Un relevé de bras. Deux pompes. Deux relevés de bras. Une neuvième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3,
la dernière, elle est bonus. Allez, 1. Allez, Julie. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Superbe. 10 relevés. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Deuxième circuit terminé. On va enchaîner avec On enchaîne avec le troisième et dernier circuit, planche avec Superman alterné. Donc on va faire 12 de chaque côté pour le Superman, ce qui équivaut à 24 répétitions. En position pour la planche. 3, 2, 1 et go. Secondes. 1, 0, top. En position pour le Superman. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 12. En position planche, 3, 2, 1, go. Donc 15 secondes. Secondes, 5 secondes, 3, 2, 1, top. En place pour le Superman. Allez les gars, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. En position, dernière fois, 3, 2, 1, c'est parti.
Plus que 10 secondes. Plus que 5. 2, 1, 0. Allez, dernière fois. En place. On est parti pour 12. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est terminé. Troisième circuit terminé, séance terminée. Et on se retrouve demain pour une prochaine séance. Bye!